Ce dimanche 7 janvier, Emmanuel et Brigitte Macron, accompagnés de la maire de Paris Anne Hidalgo, ont rendu hommage aux victimes de l'attentat de Charlie Hebdo, 3 ans après les faits. Outre le président de la République, de nombreux Français ont tenu à honorer la mémoire des victimes, à commencer par Elsa, la fille de George Wolinski. Un hommage des plus originaux puisque celle-ci a posé complètement nue sur Instagram, devant les bains de Paquis, à Genève. Une façon pour Elsa Wolinski de revendiquer sa liberté d'expression. C'est mon moyen à moi de combattre les balles de Kalachnikov, garder un sens de l'humour. Oser vivre, vibrer, rire, avancer, chuter, se relever. Je l'aime, ma liberté de penser et je le sais parce que je le sens. Wolinski est fier de moi. Dièse recommandions du way et quand, regarder vers l'avenir, ne pas allumer la télé, ne pas répondre aux journalistes, faire un câlin à Maryse, ne pas surjouer la tristesse quand le chagrin s'en est allé, ce n'est pas la peine de le rappeler, je m'assume nu, c'est aussi ça la liberté d'expression et c'est mon moyen à moi de combattre les balles de Kalachnikov, garder le sens de l'humour, oser vivre, vibrer, rire, avancer, chuter, se relever, je l'aime, ma liberté de penser et je le sais parce que je le sens, Wolinski est fier de moi, dièse le terrorisme. Quel mot féroce et douloureux. Dièse je suis Charlie, dièse je suis la marche du 11 janvier, dièse je suis vous, dièse je suis Elsa, dièse je suis nous sommes 52 arrobas, nous sommes 52 dièse on avait dit pas Johnny. Une publication partagée par Elsa Wolinski arrobas Wolinski qui